Ah, on est... Pardon, bon, excusez-moi. Mais Fabien, qu'est-ce que tu fais là? Je lis. Ah, et alors, qu'est-ce que tu lis aujourd'hui? Tu peux sortir, peut-être. C'est un peu indiscret. Hein. Oui, pardon, excuse-moi, pardon, excuse-moi. Alors, je lis... Le cas Edouard Einstein, ouais. De Laurent Sexic. Je te laisse faire un petit zoom. Vas-y. Voilà. Alors, qui nous raconte l'histoire du fils d'Albert Einstein, qui s'appelle Edouard. Edouard a un gros problème, c'est qu'il est fou. Il imagine sa mère ressemblant à un grand oiseau, etc. Il a des grosses plumes. Et donc, il est interné en Suisse. Et on va suivre où il va être interné un peu toute sa vie. C'est un roman qui est fabuleux parce qu'on va retracer ces trois personnages. Donc, la mère d'Edouard, la femme d'Albert, Albert Einstein et son fils Edouard. Et on va les suivre donc toute une partie de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale et puis de l'après-guerre. Et on va voir un peu leur version des faits, c'est-à-dire Albert Einstein qui va complètement fuir son fils et la maladie de son fils, qui va refaire sa vie en Suisse et qui va partir en Amérique, et sa mère qui va passer, donc la mère d'Edouard, qui va passer son temps à essayer de s'occuper de lui. Et Edouard qui promet et qui jure qu'il n'est pas fou. Et c'est vraiment un roman fabuleux, poignant, qui nous retraverse vraiment toute cette histoire-là de ce voilà. Et qui nous montre aussi que parfois les grands hommes ont aussi leurs petites faiblesses. Voilà, et qui est aussi aux sélections du prix Goncourt. Voilà. Tu te rappelles le titre, l'auteur, alors, les... Oui, alors, le cas d'Edouard Einstein de Laurent Sexic aux éditions Flammarion. Eh bien écoute, Fabien, je te laisse à ta lecture. Ok, hein, à plus tard. À bientôt.